Aujourd'hui, je dois survivre en Oxolotl, regardez-moi ça, je suis trop mignon, c'est juste une dinguerie. Eh ben écoutez, j'espère que la vidéo va vous plaire, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche, je vous rappelle, objectif 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Donc je compte sur vous pour exploser cette barre d'abonnement les amis, en plus de ça, tout est gratuit. N'hésitez pas aussi à rester jusqu'au bout de la vidéo parce que c'est la meilleure façon de soutenir ma chaîne et mon travail. Et n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu et meilleur commentaire. Bah écoutez, c'est parti, je dois survivre en Oxolotl aujourd'hui les amis, et regardez-moi ça, je suis tout mignon, je suis un vrai petit Oxolotl. En plus de ça, tout va avec l'Oxolotl, regardez-moi ça, ma barre de vie est pareille qu'un Oxolotl. Donc j'ai 7 cœurs, voilà, c'est vraiment pas beaucoup, on va essayer de survivre comme ça, et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Et bah écoutez, c'est parti, on va commencer à prendre du bois, et regardez-moi ça, je fais vraiment la taille d'un bloc, même plus petit qu'un bloc, c'est vraiment hyper chelou, ça fait très bizarre d'avoir cette vision. Oh, regardez-moi ça, la taille que j'ai comparée à la table de craft. Regardez, je vous montre. Oh là 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 là, je suis tout petit. Oh, c'est insane, je fais la moitié de la table de craft. Comprends un petit peu pourquoi j'ai moitié de vie, hein. Eh ben écoutez, allez, let's go, c'est parti. On va faire une pioche, et puis bah écoutez, on va essayer de trouver de la nourriture. Et ce qui serait vachement bien, c'est de trouver un village. Oh là là, c'est trop mignon quand je gambade. Regardez-moi ça, oh là là. Je rase tous les blocs. Oh, c'est trop bien, je peux passer entre les arbres et tout. Oh là là, regarde, hop, là je peux passer alors que habituellement je ne peux pas passer. Oh, il y a de l'eau. Alors attendez, la particularité de l'Oxolotl, c'est que je peux survivre dans l'eau. Est-ce que c'est possible? Oh mon dieu, je crois que oui! Regardez, ma barre de respiration, elle ne descend pas. Oh, c'est incroyable! Oh, je peux vivre dans l'eau. Oh, c'est une dinguerie. Heureusement, ça fait quand même un point positif pour moi, parce que franchement, la vie, c'est pas un point positif. D'être de cette taille, c'est pas un point positif. Heureusement que je peux vivre dans l'eau. Oh my god, regardez-moi ça, la crevasse que je viens de trouver. Eh ben écoutez, je pense que avant d'aller trouver un village, et ben je vais peut-être miner quelques petits trucs ici, hein, ça pourrait être pas mal. Et ben écoutez, c'est parfait, on va commencer par la pierre, hein, parce que sans outils en pierre, on va pas aller très loin. Oh là là, par contre ça c'est le rêve, regardez-moi ça, j'ai juste besoin de casser un bloc, et puis ben, je peux me faire un tunnel. Et ben écoutez, c'est parfait, je me suis fait les deux premiers outils élémentaires, voilà, pour survivre un tout petit peu. Et puis bah écoutez, oh j'ai failli tomber. On va essayer de descendre juste en bas et de récupérer le fer. Eh bah écoutez, regardez-moi ça, ça tombe bien, il y a du fer juste ici. À moi le fer! Ok, à ne surtout pas reproduire, je creuse sous mes pieds, mais bon, je savais ce qu'il y avait, donc tant mieux. Allez, un petit peu de charbon, on va sauter. Ah, wow, j'ai cru que j'allais pas réussir. Du coup, on va récupérer le beau petit fer qu'il y a, voilà. Et on récupère encore un tout petit peu plus de fer et de charbon. Et après, on va pas abuser de cette grotte, hein, parce que je sens qu'il va faire nuit et qu'on va être dans la mouise. Oh, attendez, j'ai envie de tester un truc, est-ce que je peux miner plus vite que normalement, voilà, parce que normalement dans l'eau, et ben ça prend une éternité. Bon bah écoutez, j'ai l'impression que ça prend une éternité aussi. Oh, c'est un peu de la merde. Eh ben c'est pas grave, on va y aller à la old school, comme ça voilà, c'est parfait. Et puis bah écoutez, bon, on va remonter parce que là j'ai bien assez de choses pour l'instant. Et bah écoutez, là maintenant le but c'est d'aller chercher un village, et bien sûr il va bientôt faire nuit, donc il faut que je me mène le cul. Oh là 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 là, et ben ça y est, c'est bon, on vient de trouver un village les amis, ça c'est vraiment trop cool. Alors par contre j'espère vraiment qu'il y a de la nourriture, il y a du blé, parce que sinon je suis un peu dans la merde. Alors déjà, bah écoutez, il y a des patates, donc ça c'est déjà rassurant. Et oh la vache, il y a plein de maisons avec plein de coffres. Ok, on va prendre cette pierre les amis, voilà, comme ça. Je sais pas du tout qu'est-ce que je vais en faire, mais j'ai ma petite idée je pense. Puis bah écoutez, on va pas abuser des choses, hein. Il fait nuit, on va dormir. Alors comment ça donne quand je dors sur le lit? Bah on peut pas voir. Ah, c'est bien dommage qu'on puisse pas voir. Alors, et bah écoutez, on va prendre une trappe. Vous allez comprendre pourquoi je prends tout ça, hein. Et puis bah écoutez, on va trouver un endroit où on peut s'installer. Et moi, je me suis dit en traversant tout simplement cette plaine, que ici ça pourrait être pas mal moi je trouve. Eh regardez-moi ça, bon on voit rien mais c'est pas mal moi je trouve que c'est assez plat, on pourrait faire notre petite maison et tout, ça pourrait être trop cool. Eh ben vous savez quoi, adjugé j'ai vendu, on va se placer ici et puis bah écoutez on va faire une mini maison vu qu'on est à Oxolotl et qu'on a pas besoin de beaucoup de place, donc allez let's go c'est parti. Je pense qu'on va faire cette taille là, ouais c'est un peu petit mais bon c'est pas grave. On a un Oxolotl, on prend pas beaucoup de place. Et voilà c'est parfait, on vient de faire le tour avec ça, là maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va tout ça simplement poser le sol. On va poser la table de craft juste ici. On va récupérer un petit peu de blé parce que je me suis rendu compte je suis pas allé chercher de nourriture et en plus de ça j'ai jusque 3 barres de nourriture. Donc là je peux plus courir et c'est un petit peu chiant. Au passage on va piquer un lit, voilà, comme ça pas besoin d'aller tuer des moutons, hein. On pense à la sauvegarde des moutons les amis dans Minecraft. Et puis bah écoutez, hop, on va prendre le lit et on va le poser juste ici comme ça. Et voilà, c'est parfait, regardez-moi ça. Oh là là, est-ce qu'on peut dormir dedans? Je pense que oui, vu que ça fait la moitié d'un bloc et qu'on fait
Regardez-moi ça, on fait un bloc entier, en fin de compte, avec le lit. Regardez, je suis trop choupi. Alors, ça, c'est déjà une chose faite. Ensuite, du coup, on va se faire du pain. On va se faire une belle petite hache en pierre. Voilà, on va casser ce bloc. Et on va poser le beau petit four. Eh ben, écoutez, let's go, c'est parti. On va faire chauffer le fer. En plus de ça, c'est un rapide, donc regardez-moi ça, ça va prendre vraiment peu de temps. Alors, écoutez, moi, en attendant, je vais aller récupérer un petit peu de bois. Puis, écoutez, maintenant, j'aimerais bien récupérer du sable pour faire du verre. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, écoutez, let's go. On essaye de trouver ça. Donc, ça sera bien de trouver une petite rivière ou un petit truc comme ça. Généralement, il y a du sable autour. Oh, et voilà, c'est parfait. Regardez-moi ça, du sable. Écoutez, c'est parfait. On a 34 de sable. Écoutez, on rentre à la casbah et on va faire chauffer ce sable. Et vous allez voir pourquoi on va l'utiliser. Qu'est-ce que tu fous chez moi? Rapide, là, laisse-moi tranquille. Ah, vas-y, dégage. J'ai pas besoin de toi. Tu coûtes trop cher, en plus. Non, mais c'est pas possible, dissous de moi. Je suis peut-être un oxolote, hein, mais je peux quand même te tuer, hein. Écoutez, let's go. On fait chauffer le sable maintenant. Ah, on peut pas dans ce four. C'est tant pis. On va faire un four classique, du coup, qu'on va poser juste à côté de l'autre. Voilà. Écoutez, on va commencer à faire une armure. Voilà, parce que, c'est un petit peu tendu, hein. Vu notre vie, quand on va aller dans les mines, on va se faire poutrer la figure comme jamais. Alors, écoutez, on va récupérer une source d'eau. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. On a récupéré la source d'eau du champ, du village. Il y aura un petit peu moins d'eau, mais c'est pas grave. Écoutez, on va faire un truc. On va récupérer un tout petit peu de terre. Écoutez, on va boucher un petit peu ce trou. Voilà, parce que j'aimerais bien gagner un petit peu plus en superficie. Écoutez, là, c'est pas mal. Écoutez, on va entamer un beau petit champ, les amis. Comme ça, on aura plein de nourriture. Mais avant, écoutez, il fait nuit, on va dormir. Oh, regardez-moi ça, on voit ma petite tête. Oh, c'est trop mignon. Alors, écoutez, hop, c'est bon. En attendant, ça a chauffé. Écoutez, regardez-moi ça, ce qu'on va faire. Hop. Hop, hop, voilà, c'est parfait, regardez-moi ça. On a un panoramique, mais comme jamais. Oh là là, c'est incroyable. Écoutez, maintenant, on peut utiliser la trappe. Voilà, comme ça. Ah non, c'est dans le sens que je voulais la mettre. Voilà, comme ça, c'est parfait. On peut fermer, et voilà notre maison. Oh là là, c'est pas mal. Alors, je changerai bien sûr cette dalle pour une autre dalle, pour que ça aille en coordination avec la pierre que j'ai mis. Mais regardez-moi ça, c'est pas mal comme maison. On a un four, spécialisé. On a une table de craft. Là, on va faire un coffre, et là, on mettra, tout simplement une enclume. Pour pouvoir faire certaines choses, enfin voilà. Puis après, pour le reste, on se démerdera. Écoutez, c'est parfait, on va se faire les coffres. Voilà, écoutez, on met le coffre au fond. Et voilà, c'est parfait. Alors ça, il va juste falloir le changer, tout simplement en dalle ou en escalier. Oh, il faut faire des escaliers. Écoutez, c'est un petit peu problématique parce qu'on peut pas faire d'escalier avec ce bloc-là. C'est un peu dommage. Donc je trouverai un bloc adéquat plus tard. Là pour l'instant on va mettre ça. Et voilà, c'est parfait. Et là maintenant on peut ouvrir le coffre. Regardez-moi ça. Oh, c'est incroyable. Oh, et puis vous savez quoi, on va changer parce que ce bloc il est pas ouf. On va mettre du bois à la place. Ah voilà, c'est parfait. C'est beaucoup mieux comme ça, la petite maison. Elle a beaucoup plus de charme. Puis en plus de ça, on va faire un truc encore mieux. Hop, on va casser les coins. Et on va bien évidemment mettre des bûches. Et voilà, hop et hop. Et voilà, c'est parfait. Oh ça a quand même beaucoup plus de charme. Alors, écoutez, revenons à nos moutons. On devait faire un champ. Écoutez, c'est ce qu'on va faire. Donc là, je vais juste en profiter pour me faire une belle petite houe. Et écoutez, allez, let's go, c'est parti. Donc là, on va faire un truc un peu comme ça. Alors oui, bien sûr, si je mets pas l'eau, ça va pas le faire. Et hop, c'est parfait, on vient de faire notre trou. Et écoutez, on va aller chercher de l'eau en masse. On va même ne pas s'embêter, on va prendre l'eau de la fontaine. Allez, ciao, bye bye. On va prendre de l'eau au niveau du champ maintenant. Hop là, comme ça. Et là maintenant, il en reste plus qu'une. Oh non, c'est bon. Oh, génial. Génial, il en fallait que 3. Écoutez, allez, let's go, c'est parti. On commence à faire notre champ, les amis. Vous allez voir, il va être juste magnifique. Écoutez, let's go, c'est parti. On va commencer à faire pousser. Voilà. Oh, c'est trop marrant. Il y a un massage, je peux sauter. Et ça fait 0 trou. Oh, c'est incroyable. Oh, ça, c'est parce que je suis un oxolote. Oh, c'est magique. Écoutez, on va faire des barrières. Alors, si mes souvenirs sont bons, je crois que les barrières, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Oh, je suis un génie. Ok, je pense que 32, ça va suffire. Ah, mais ça fait ça. Oh non, c'est dommage. On peut pas retourner la terre. Oh non, c'est nul. C'est pas grave, on laissera le truc comme ça. Écoutez, ce que j'aimerais bien faire, c'est peut-être un deuxième tour. Alors, je ne sais pas si je peux le faire. Si, je peux le faire. Wouh! Nickel. Écoutez, c'est nice tout ça. Là maintenant, on va mettre les barrières. Écoutez, c'est parfait comme ça. Alors là, j'ai juste cassé un petit bout de terre. On va le reprendre. On va le retourner. Voilà, c'est parfait. Et on va mettre les autres graines. Et allez, let's go, c'est parti. On va planter tout le champ. Alors, on va casser tout ça. Comme ça, on aura beaucoup plus de graines. Et allez, c'est parti. On replante. Ok, nous, on va aller dormir parce qu'il fait nuit. Donc sinon, ça va pas pousser. Hop là. Oh oui, on peut dormir avec le verre. Oh, c'est trop bien. Je suis trop content. Écoutez, on continue à replanter tout ça. Allez, let's go, c'est parti. Écoutez, c'est bon, c'est parfait, le champ est fini. Et franchement, moi j'aime bien le résultat, c'est quand même plutôt cool. Écoutez, regardez-moi ça, ma petite maison, je vais vous la montrer. Hop là, on va monter juste ici, regardez-moi ça, elle est stylée quand même. Alors, je pourrais l'améliorer, ça c'est sûr et certain.
Alors après, comment, quoi qu'est-ce, je ne sais pas, on verra ça dans le futur. Mais là, pour l'instant, je suis vraiment très très content de ce que j'ai fait. Et bah écoutez les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ma maison et de mon champ. Voilà, si vous trouvez que c'est pourri, bah c'est pourri, voilà, vous mettez une note de merde. Et si vous trouvez que ça trop mignon et juste trop cool, et bah écoutez, mettez une super note. Alors, et bah écoutez maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Hop, on va faire un chemin jusqu'à notre maison, bien évidemment. Alors, je sais pas comment je vais faire parce que là, c'est 2 et là, c'est 1. Oh, on a de la compagnie. Oh, il sort d'où lui? Oh, what? Oh, 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 de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Oh, oh, il m'a déglingué la figure, toi aussi. Ah, mais je peux pas les toucher. Ah, mais attends, c'est normal, j'ai des petits bras. J'ai une toute petite allonge, moi. Oh, je me suis fait mais bastonner, mais comme jamais, regarde-moi ça, ma vie. Oh, c'est horrible. Oh, je sens que je vais tellement souffrir dans les grottes. Vous allez pas en revenir. Eh ben, écoutez, c'est pas mal le petit chemin. Il est sympa. Donc là, maintenant, il reste plus qu'une chose à faire. Et ben, on a plus de barrières. On va se refaire des barrières. C'est tout simplement de mettre au coin. Voilà.
Donc là, on en a combien? On en a 20. Eh ben, c'est parfait. Et maintenant, on va habiller l'avant, les amis. Donc là, ça va pas être bien compliqué. Hop, hop. On met des petits trucs comme ça. Là, maintenant, on prend nos escaliers. Ensuite, on prend des barrières en pierre. Voilà. Bah, écoutez, c'est pas mal comme entrée. J'aime bien. Et bah, écoutez, là, maintenant, il reste plus qu'à habiller l'intérieur. Donc là, ça va pas être bien compliqué. Hop, on casse tout ça. Puis, bah, écoutez, maintenant, il reste plus qu'à mettre les escaliers. Hop, hop. Là, on prend des belles petites bûches. Ah, bah, non, je voulais pas le mettre comme ça. Non, mais c'est pas possible. Pourquoi ça se tourne? Alors, une comme ça, une comme ça, voilà, et bah écoutez, c'est pas mal, hein. Et puis bah écoutez, là maintenant il reste plus qu'à habiller l'intérieur. Donc là maintenant on va casser toute la terre qu'il y a ici, et puis il reste plus qu'à mettre du bois. Ah bah j'en ai plus assez, et bah écoutez, on va prendre la moitié, hop, et bah ça y est, c'est bon, on en a. Et voilà, rien de ça, et ça fait un truc quand même assez cool, moi je trouve. Et bah écoutez, là on va habiller, bien évidemment, voilà, on va aller chercher d'autres petites trappes, des petites fleurs, bien évidemment, voilà. Et puis bah écoutez, on va faire le tour avec les trappes, on va mettre les fleurs dedans, et là pour l'instant c'est juste la V1, hein, bien sûr, on améliorera un peu tout ça. Ah, bah j'ai pas assez de trappes, attendez, on va en faire, c'est pas bien compliqué, il faut juste du bois. Et voilà, ça y est, c'est parfait, j'espère que là j'en aurai assez. Et la dernière, et oui, c'est parfait. Et bah voilà. Et bah là maintenant, il reste... Ah! Oh, 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 calme-toi. Qu'est-ce que tu veux, toi? Hop, et bah ouais, moi je te tue. Oh, comme elle est arrivée en mode sneaky. J'y crois pas. Oh bah ok, d'accord. Ok, ok, j'ai compris, j'ai compris. Il est temps de dormir. Et voilà, c'est parfait. Et bah brûle. Brûle, zombie. Et viens par ici. Aïe. Oh, 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 je suis en train de brûler. Vraiment que je fasse gaffe avec ma vie, parce que là, elle est vraiment, bah, toute petite. Donc le moindre petit coup que je prends, eh ben je prends très très cher. Alors, eh ben écoutez, moi ce que je voulais faire ici, alors après c'est peut-être une idée de merde, hein, mais j'aurais bien voulu faire un petit chapiteau, genre un petit peu de ce style-là. Eh, c'est pas mal, en vrai, eh, j'ai des bonnes idées. Oh, j'en reviens pas, j'ai des très bonnes idées même. Bon, le seul petit problème, c'est qu'on manque de bois. Mais écoutez, faudra faire avec, il m'en reste plus que 8, donc là, hop, et là le dernier... Et voilà, c'est parfait. Eh ben, regarde-moi ça. Eh, c'est pas mal. Eh, c'est pas dégueu. Moi, j'aime beaucoup. Puis là, bah, je sais pas ce qu'on peut faire exactement. Bon, on verra bien ce qu'on va faire avec le trou. Parce qu'on n'a pas assez d'escaliers. Ah, quoique, si, on a assez d'escaliers. Attendez, bougez pas. Est-ce que ça rendrait bien de faire un truc comme ça? Eh, c'est vraiment pas dégueu, regarde-moi ça. Oh, j'adhère carrément à l'idée. Eh ben, écoutez, regarde-moi ça. Eh, c'est quand même plutôt mignon. Moi, j'aime bien. Puis là, il va falloir juste remplir. Donc là, je pense qu'on remplira, eh ben, bien évidemment, avec des bûches. Et puis, bah écoutez, là, maintenant, il reste plus qu'à faire le chemin. Donc là, on va reprendre notre belle petite pelle. Et puis là, on va faire le chemin. Allez, maintenant, il reste plus qu'à mettre des torches un peu tout le long. Et puis, bah écoutez, hop, là, on met les torches. Ah, bah, c'est fail. Car regardez-moi ça. Eh, ça rend vachement bien, je trouve. Eh, on habille bien les choses, hein. C'est quand même plutôt cool. Et bah écoutez, il restera plus qu'à faire, eh ben, tout simplement, un petit enclos à vache ou cochon ou je sais pas quoi, mouton ou n'importe quoi. Et puis là, il va falloir remplir, et bah tout simplement ce côté-là. Et j'ai peut-être ma petite idée, on va peut-être mettre des arbres juste ici, et un ici, et un ici, et un ici. Comme ça, on va bah, un petit peu habiller tout ça pour que ça soit un peu plus joli. Et bah écoutez, c'est parti, on va chercher juste un petit silex, et puis on va allumer le portail. Donc là, regarde-moi ça, ça tombe bien, il y a plein de gravier, donc là, on va les prendre. Et ça y est, c'est bon, c'est parfait, on a notre silex, et bah écoutez, on peut sauter. Non, peut-être pas. Là, on peut sauter. Wouhou! Oh là 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 là! Et bah écoutez, allez, let's go, c'est parti, on fait le briquet. Et allez hop, allumage, et bah voilà, qu'est-ce que ça donne, les amis. Donc là, il faudra bien évidemment, et bah, habiller aussi. Là aussi, habiller. Bon, on n'a pas encore tout à fait tout fini, mais bon, c'est pas grave, c'est déjà l'essentiel. Regarde-moi ça, on a fait une belle entrée pour, eh ben, le portail. Et moi, je suis très très fier de ce que j'ai fait. Eh ben écoutez, eh ben voilà, ça va être tout pour le premier épisode de cette survie en Oxolot, les amis. Eh ben écoutez, j'espère que ça, cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Je vous rappelle, objectif 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Donc je compte sur vous, les amis, pour exploser cette barre d'abonnement. En plus de ça, tout est gratuit. Je le répète et je le re-répète, mais tout est gratuit. N'hésitez pas aussi à lâcher votre meilleur commentaire et meilleur pouce bleu. Et merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, parce que c'était la meilleure façon de soutenir ma chaîne. Et moi, sinon, sur ce, je vous dis ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.